What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien, je retrouve pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur le Skyblock des Pixels et vous allez voir, on va faire quelque chose de très spécial. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au Skyblock des Pixels avec les trucs de fête de Noël et tout et ça. En plus, j'ai entendu parler qu'il y avait un 20% d'XP boost, un truc du genre, et 10 de Magic Fan en plus, donc ça c'est vraiment cool pour les joueurs que ça intéresse. Mais ça fait déjà à peu près un mois que je joue plus vraiment en Skyblock, je m'ennuie à mort et je sais pas quoi faire. Et là j'ai vu dans mon Honor Chest, les amis, j'ai des sets de mining de trucs. Et je me suis dit, j'ai toujours pas la Divandrill, j'ai juste la Titanium 655. Elle est toute maxée, Blue Goblin et tout. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire les runs qu'on a avec... Si on le tombe pas dessus, ben pourquoi pas l'acheter à l'HDV après, on verra la décision qu'on prendra après, dépendamment de ce qu'on a. Mais voilà, le but c'est de tout relier. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai relié le King. J'ai relié ensuite le King et la Queen. Là, je vais trouver un endroit pour aller vers le milieu. Donc je pense que ça devrait être par ici. Normalement, le milieu, ça devrait nous amener au milieu. Un coup que j'ai tout connecté, je vais vous montrer les chemins que j'ai fait. Et je suis tout seul, hein, j'ai pas d'amis, donc ça va être un peu plus long que d'habitude. Mais le temps de tout connecter et tout, ça devrait le faire. On devrait être correct. Donc... ici on va faire Crystal Waypoint Queen Entry. Voilà, comme ça on a un waypoint juste ici. On sait qu'il faut aller en haut, parfait. Maintenant c'est le temps de trouver les autres trucs. C'est parti, donc on va commencer avec le temple de la jungle. Ça se trouve qu'on aura peut-être un temple buggé. Ouais, on a un temple buggé je crois. Donc il faudra changer de lobby. Je vais essayer de voir si je peux pas le trouver entre temps. Peut-être qu'il est juste dans une autre biome, attendez. Ouais, peut-être qu'il est dans un autre biome. Peut-être qu'il est juste ici sur la limite. Normalement, peut-être des fois ça bug. Oh, on a un truc ici. Ah non, ça c'est la clé. Ah oui, c'est vrai, ça nous pointe vers la clé. Parce que j'ai pas de clé sur moi. Faut que j'aie une clé sur moi. Voilà. Ok, normalement ça devrait être bon. On va quand même aller prendre une clé juste en bas. Et puis je vous dis à tout de suite. Ok, il me reste juste un truc. Il me restait un truc à trouver. C'est balle. Et je viens tout juste de le découvrir, le petit coquin. Donc on va l'abattre en espérant obtenir un pet dessus lui. Oh, j'ai juste 300 flèches. Oh là 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 là, en espérant que... Non, je crois que j'ai plus que flèches ça. Oh non, j'ai juste 300 flèches. En espérant qu'on n'a pas besoin de beaucoup de flèches durant notre run, les amis, parce que sapristi, on va être dans la merde. Faudra changer de lobby et ça va me casser les orteils. Parce que là, je vais pas vous mentir, j'ai tout fait les chemins. C'était le dernier chemin à relier. Ça m'a pris... Je suis arrivé jour 1 et le jour 2, donc ça a pris un jour tout faire. Ce qui est pas si mal en soi, mais quand même, ça fait quand même chier. Voilà, c'est bon, c'est fait, let's go, tous les chemins sont connectés, donc j'ai juste à retourner, ça va nous amener vers la, normalement, si je dis pas de bêtises, la Goblin Queen, voilà, et ensuite la Goblin Queen, on a juste à monter là, et ça nous amène directement, oups, là, ici, ça nous amène directement à l'extérieur, au milieu, regardez, je vais vous montrer vite fait, et pipipou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 po
Un, deux, des... Oh, un baril, les gars. Un baril d'huile. Un baril d'huile, deux piculimbus. Et ouais, vraiment de la grosse merde, les gars. Aïe, 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 aïe. Ok, what the fuck, mon autre séquence, elle a bugué. Elle est corrompue, les amis, je suis désolé. Mais en gros, ouais, j'ai fait une run, j'ai eu un gemstone mixture, c'est tout. Un peu nul, mais bon, c'est ça qui arrive, hein, de ces choses qui arrivent. Donc, let's go voir qu'est-ce qu'on a maintenant. S'il vous plaît, monsieur Lamine, un Helix, et c'est tout, en fait. On a passé de Nucleus 3. C'est quoi ça? C'est complété 15 runs? J'en ai fait beaucoup plus que 15, les gars. J'étais top 7 avant. Pendant un large moment, j'étais top 7. J'en avais fait 100 quelques. 114 runs. J'étais premier premier des Français. Il n'y avait pas d'autres Français qui étaient en avant de moi. Enfin, Français. Québécois, Français. Vous avez compris le truc, quoi. Donc, let's go. Allez à la Queen et tout. Let's go, let's go. Holy shit, boys. On est de retour. J'ai dû aller bouffer, les gars. Et pendant que j'ai bouffé, ben, l'event il a commencé. Donc on va manifester, il a commencé il y a 3 minutes. Et en plus de ça, j'ai dû retrouver un nouveau lobby. Et j'ai dû changer le lobby vu que le truc de minerai à déposite, il était pas là. Il était disparu, les amis. Il n'avait pas spawn. Un préhistorique egg. Et que de la merde. Punaise, on s'amuse bien ici. Hein. Vraiment, c'était la pire idée du monde de faire ça. Ok, on est reparti. Monsieur Pixel est encore prêt à m'enculer. Merdouille. C'est vraiment de la merde en fait. Ben, ça vaut la peine parce qu'en soi, tu sais, on a rien à. Ça nous coûte rien quoi, à part les pièces si vous les achetez. Mais moi, je les ai farmées il y a super longtemps. Mais si en gros vous farmez les items, ça vous coûte rien. Ça vous fait de la gemstone, des trucs comme ça gratuits, de la HOTM quand on en a besoin. C'est quand même assez intéressant quoi. 800 par run, c'est quand même pas si mal. Donc voilà, les gars, aussi, je voulais vous parler, pendant qu'on va refaire les runs, on va finir par la queen et tout. Je voulais vous parler vite fait. J'ai lancé un nouveau channel YouTube où ce que je vais faire des vidéos de unboxing des cartes de hockey et tout. Une passion que j'avais quand j'étais petit garçon. Et en fait, j'ai retrouvé des cartes il y a récemment et j'ai commencé à racheter des paquets des cartes de hockey, surtout pour Noël, on m'en a donné et tout. Donc ça m'a bien redécouvrir ma passion et j'ai décidé de pourquoi pas vous faire une chaîne YouTube où ce que je vais faire des vidéos. Bon, c'est sûr que la plupart vont être en anglais, les gars, mais vous allez pouvoir quand même me voir parler en anglais et développer des cartes d'hockey. Donc vous allez pouvoir enfin voir mes mains, main reveal. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire la traduction en français des vidéos. Donc par exemple, ça va être tiré en anglais la vidéo, mais vous allez pouvoir activer un petit dans les settings, la voix en français, ça va être activé pour vous. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, je vais essayer de vous faire ça pour mes amis européens qui aimeraient bien le hockey. Ça risque d'être intéressant, je vais parler de plein de sujets aussi, puis je vais essayer de branch out dans d'autres sports dans le futur. Peut-être pourquoi pas la NBA ou même le baseball, on verra la MLB. So, voilà, si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description, ça me ferait super plaisir que vous ayez jeté un petit coup d'œil. Et puis voilà, merci, merci, je vous laisse, à toutes. Ok, let's go. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? C'est tellement chiant, les gars. J'ai plus de flèches et je peux rien faire pour en acheter. Donc, je dois tuer le bal à chaque fois avec une épée, les gars. Vous savez pas à quel point c'est long et insupportable. Je vais regarder vite fait après ici si on peut pas acheter. Bon, encore de la merde. Ça valait vraiment pas la peine de faire ce truc-là, les gars. Vraiment, j'ai gaspillé du temps pour rien. Du temps pour rien du tout. Non, on peut pas. On peut juste acheter des trucs. On peut pas acheter de flèches à ce bâtard. Donc, je vais directement aller au bal. Il est où déjà? Il est juste en bas là. Je vais directement aller au bal pour pas pouvoir. Pour pas me faire chier et être obligé de le tuer, quoi. Vu que c'est un de ceux que j'ai pris en dernier, ça devrait le faire normalement. Ok, let's go. Avant-dernière run, les gars. J'ai remarqué, il me restait plus de pièces. Donc ceci est notre avant-dernière run, malheureusement, en espérant qu'on ait en espérant qu'on n'ait pas à tuer Ball le coquin. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un rubis cristal, la première fois qu'on en a un, je crois, à moins que j'ai juste jamais porté attention. On va quand même regarder tout ce que j'ai eu après, hein, les gars, dans le sac de mining, parce qu'on en a quand même eu pas mal de trucs. Et on a eu 5 trésorites aussi, donc ok, c'est déjà ça. Let's go tout de suite prendre la Queen et le Gobelin. Et let's go, guys, dernière run, c'est maintenant que ça commence. Et voilà, enfin les amis, c'était vraiment long. J'ai dû tuer encore le bal de la main, c'était vraiment long. Il reste plus que 9 personnes dans le lobby, ça veut dire que le lobby va bientôt fermer, jour 11. Donc ça se peut qu'on soit même pas capable de poser les trucs. Ça fait combien de temps que 1 heure du Mining Fiesta? Donc ça m'a pris 2 heures faire 12 runs. Oh là là, parce que j'étais vraiment un homme de type HR et j'en suis en même temps, j'étais mangé, hein. Faut pas oublier non plus. Mais bon, on n'a rien eu de bon. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais acheter le Divan Hallowed. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si on l'a pas ici. Et
On a le Ruby Crystal, mais malheureusement, on n'a pas le Diamond Hallowed. Donc, est-ce que vous pensez que je devrais l'acheter? Disons, s'il y a 100 likes sur cette vidéo-là, les gars, je vais l'acheter, le Diamond Hallowed. Ça coûte combien, ce truc? J'ai déjà pas mal de trucs en vente. J'ai ce dragon-là, qui est un peu overpriced. Je me suis fait baiser. Il vaut 781. J'ai payé 800 M, donc j'essaie de le vendre un peu plus cher. Ces livres-là, ils étaient à l'OS Bin tout à l'heure. Bon, là, l'OS Bin a descendu, malheureusement. Donc, c'est quoi? Divan? Ça s'appelle Divan Fragment? Non, juste Divan. Si je mets Divan, ça va faire quoi? Ah, Devon Hallowed, c'est 800 millions, les gars. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Et sinon, le drill, c'est 1.7, 1.7B, celle-là. Elle n'a pas Compact 10, elle non plus. Et ils n'ont pas Pristine 5, ouais. Et elle a le Sunny. Moi, j'ai le Blue Goblin. Donc, ouais, mais la mienne, elle vaudra beaucoup plus. Voilà, bonbou. Ok, cool, bah c'est cool alors. Bon, voilà un petit récap de tout ce qu'on a eu. Donc, voilà, on a eu un Refined Minerai. On a eu 10 trésorites, on a eu un stack et 48 de bombes, 23 yogis, 4 barils de oil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 picolimbus, et niveau de tous les trucs, on a eu 13 fine, 14 ember, 13 fine jade, 14 ember, 16 topaz, 12 fine saphir, 15 fine amethyst, 12 Jasper et 12 Fine. Donc on a une game update en plus. Ça se trouve, il y aura une mise à jour, les amis. On a aussi des œufs qui ont éclaté. Donc on a eu pas mal d'œufs. Comme vous pouvez voir, on a eu 6 œufs au total. 2 qui ont déjà éclaté. Et ça, c'est les pièces qui me restent. Il m'en reste 3 comme ça. Une tête de Blaze aussi qu'on va vendre au NPC. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir été là. Vous êtes tous des hommes et des femmes de type très aimable. Je vous dis 100 likes pour que j'achète un divan Alloyed dans ma prochaine vidéo. Et j'espère que vous êtes chaud patate. On va bientôt... Comment on appelle ça? On va bientôt reprendre bien à fond les vidéos et tout là, avec tous les trucs qui arrivent bientôt là, les gars. Si vous savez pas, il y a plein de trucs qui arrivent avec 2022 là. J'espère qu'il y aura des mises à jour sur le serveur et qu'il y aura du contenu à vous proposer. Pour ceux qui savent pas aussi, j'ai une série entre guillemets en live où je joue sur un Iron Man. Est-ce que ça vous intéresserait que je continue à faire des vidéos dessus? Dites-moi. Peut-être des vidéos genre des tutos ou quoi. Là, je suis rendu quand même assez bien avancé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. 100 likes et je dépense 800 millions pour vous, les gars. Et sinon, ben tant pis, hein. C'est pas grave. Les gars, tous les serveurs ferment. Qu'est-ce qui se passe? Mise à jour, qu'est-ce qui se passe, les gars? Non, non, je vais me faire wipe.